Hello, nous sommes vendredi 8h16 et là je vais aller faire ma prise de sang. Je vais me prendre un truc à manger pour après parce que je vous jure que moi là je me sens pas bien quand j'ai pas mangé, mais alors vraiment c'est pas la forme hein. Donc du coup je sais pas ce que je vais me prendre, je vais me reprendre un petit pitch. Et à la base hier je pensais que j'allais genre aller faire ma prise de sang, ensuite je mange, je m'emmène un truc à manger, je vais à la salle, mais en fait non, là en plus j'ai déjà trop mal à la tête. Dès le matin, c'est sympathique. Enfin bref. Du coup, si j'y vais, ce sera plutôt stop. Comme on passe à l'oral à 13h45, on fait 40 minutes, puis après, bah, j'ai terminé. Donc du coup, je pense que je ferai plutôt ça après. Donc là, faut que j'emmène mon ordonnance, tout ça pour la prise de sang. Et oui, si vous me voyez avec le même pull qu'hier, c'est qu'en fait, j'avais juste enlevé mon soutien-gorge et je me suis endormie avec. Je vous jure que j'ai l'impression, en plus, même avec les médicaments, que ma migraine n'est pas vraiment passée hier soir. On verra bien aujourd'hui ce que ça va donner. Et bon, de toute façon, je vais garder ce pull là pour y aller parce qu'en fait, il est tellement extensible que ça va être super pratique en fait pour les manches, elles se remontent hyper bien, elles serrent pas trop. Donc pour les prises de sang, c'est nickel. Et puis de toute façon, je me rechangerai pour cet après-midi. Bon, c'est bon, je viens d'arriver sur le parking. Par contre, je sais plus par où on rentre pour les prises de sang parce que je suis déjà allée en faire une ici. Mais depuis que j'en ai fait une quand je suis venue en stage, pas ici mais en hospitalisation domicile, on venait donner ici les prises de sang, ça avait encore changé, bref, il y avait des travaux. Sinon là j'ai trouvé une place, c'était tout complet et les voitures devant elles avançaient pas, donc moi je les ai doublées et là, pof, une place. Elles ont dû être dégoûtées parce qu'elles attendaient des voitures qui sortaient ou je sais pas ce qu'elles faisaient, mais en tout cas elles ont pas trouvé de place. Moi j'en ai trouvé une, voilà, bref, digo. Du coup ça fait genre au moins 2 ans que j'ai pas fait de prise de sang parce que la dernière que j'ai fait c'était genre pour l'IFSI on doit se faire vacciner. Et du coup ils nous font des vaccins pour doser si c'est bien le machin truc. Et du coup ouais, c'était avant ma première année. Mais bon voilà, c'est fait, je sais pas quelle heure il est exactement. Par contre elle m'a piqué vraiment avec une aiguille très très grosse je trouve. Mais bon ça va, j'ai enfin les prises de sang, je crains pas trop. Donc bon, même si j'en ai plus fait aux autres que moi j'en ai fait moi-même. Enfin moi-même, pas sur moi-même mais voilà bref. On va rentrer, on va manger parce que je me sentais pas très bien dans la salle d'attente. Moi j'ai ce besoin de manger le matin, sinon ça va pas. Je vous avais dit que j'allais prendre un pitch, bah où j'ai laissé le pitch, chez moi bien sûr, sinon c'est pas drôle. Elle m'a peut-être piqué avec une grosse aiguille, mais il n'y a pas l'air d'avoir de bleu. On voit juste une petite tache. Il n'y a pas eu beaucoup de sang, nickel. Par contre là, il faut que j'enlève le petit bout qui va me faire une épilation gratuite. Bon, j'étais tranquillement en train de finir mon petit bol cake quand tout à coup la poste est arrivée, la pectrice. Et du coup, j'ai 2 colis. Donc je sais pas exactement ce que c'est. J'en ai déjà eu hier, mais... Ah si, je sais ce que c'est bon. Mais dans le truc que j'avais reçu hier, c'est un truc pour une prochaine vidéo. Je crois qu'il sera en ligne. Je crois que je vais la publier en décembre. Il y a un peu le temps. Et donc pour le deuxième colis, vous aurez peut-être reconnu le carton. C'est Women's Best. Donc il y a 3 vêtements. Je vous montrerai sur mon Instagram de sport. Et un petit paquet de chips. Et là-dedans, nous avons des baies de goji. Voilà. Bon, me revoilà. Fallait que je fasse quelques modifications pour le parcel qu'on a à l'oral STAP. Et il va falloir que j'y aille parce qu'il est 11h30. Et on rend un dossier de partiel en fait de santé publique de midi à 12h30. Du coup, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas où je mange. J'en sais rien de ce que je fais. Je pensais peut-être manger avant, mais là, j'ai pas du tout faim. Je me sens pas bien. Donc. Je sais pas du tout ce que je vais faire puisqu'après on a l'oral à 13h45. Donc là déjà je vais imprimer le document en 2 fois. On a 14 pages les gars. Du coup je crois qu'il va falloir que j'aille rajouter des feuilles parce que là il y en aura jamais assez. Faut que je me change, je me suis même pas préparée. Je crois que je vais pas me maquiller parce que la flemme hein, j'ai pas le temps de toute façon. Oh bah génial, l'imprimante elle a pris le paquet de feuilles entièrement. C'est super, ça va faire bourrage de feuilles. Comme si j'avais que ça à faire. Oh là là. N'importe quoi. On est en train d'imprimer, il va être 40. Donc du coup ce que je vais faire en fait c'est que je vais y aller. Puis je vais revenir juste après. J'aurai pas du tout l'impression d'imprimer 50 fois des trucs. Bon c'est vraiment trop la course. Là il est 13h du coup je vais y aller parce que c'est à 13h45. Mais on se voit avant. Pour voir un peu qui dit quoi et puis revoir tout ça. Donc bon. Je mangeais vite fait, je mangeais du tortine de pain de mie. Je suis pas super faim, je sais pas, mon estomac est pas super. Et alors ma tête, n'en parlons pas, mais j'ai en fait du coup j'ai de la codéine, de l'acier douleur. Sauf que j'ai pas du tout envie de prendre ça avant mon oral. Je pense que je préfère avoir mal à la tête que être endormie et pas pouvoir répondre s'il y a des questions et puis m'endormir pendant que je lis. C'est pas le top.
Et du coup, hein, j'ai oublié complètement ma séance que je voulais faire cet après-midi en sortant de l'oral parce que ça ne va pas du tout. Il faut vraiment que je me repose. Et je suis vraiment crevée. Genre là, je suis pas du tout en forme, mais en fait, ça m'arrive quasiment jamais. Enfin, je veux dire, d'habitude, je vais bizarre quoi. Donc, ça fait un gros changement. C'est pas l'habitude. Ouf, je viens de sortir. Il y a du vent, il y a de la pluie, c'est super. Donc, j'ai mon parapluie. Bon, on peut presque dire que les bars se sont terminés. Reste juste un truc en stage. Donc, ce sera un oral. Comme en gros, un peu ce qu'on vient de faire là, mais en stage. Donc, c'est plus facile parce que tu connais mon patient. Donc, bon, mon débarrage, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis crevée. Là, je commence à avoir remal au dos. La douleur était un peu partie ce matin. Mais là, c'est reparti. Je vais me poser dans mon lit. En plus, il fait un temps vraiment pourri. Il fait froid, il fait 5 degrés quoi. Non, j'étais couchée, mais quand on a mal à la tête, je trouve que c'est hyper compliqué de dormir. J'ai repris de la codéine, mais bof, ça marche pas tant que ça. Et je sais pas si vous allez bien voir, comme mes pupilles sont vraiment toutes petites. Je veux dire que je sois dans le noir, à la lumière, elles sont toutes petites comme ça. Et ça, genre, c'est à cause de la codéine, en fait, ça se transforme dans le corps. Ça se transforme en morphine, en fait. Je crois que c'est au niveau du foie, je suis pas sûre, je vais pas vous dire de bêtises. Mais bref, et du coup, ça fait... On est en myosis, donc on a des pupilles toutes petites. Et du coup, je disais, comme j'ai quasiment rien mangé à midi, je me force entre guillemets. Enfin, j'ai une petite faim, mais en fait, je sais pas si c'est à cause des médicaments ou que je me sens pas très bien. Enfin, bref, ça me fait genre comme des. Genre, en fait, il y a des trucs qui me dégoûtent, il y a des trucs que j'ai pas du tout envie. Donc, c'est un peu chiant. Et ne vous excitez pas, je ne suis pas du tout enceinte, hein, parce que à chaque fois qu'on parle d'envie, de mal de ventre, de nausées ou de je ne sais quoi, on dit ah mais t'es enceinte, mais non. Il y a plein d'autres choses qui font que on peut avoir des nausées, on peut avoir des envies, des dégoûts, bref. Enfin je veux dire quand on se sent pas très bien, il y a des trucs qu'on n'a pas envie de manger, ben, moi là c'est le cas. Du coup là je me fais fromage blanc d'ailleurs, j'ai fini le pot. Ah j'ai marché sur une touffe de cheveux. Enfin une touffe de cheveux, là, des cheveux par terre, ça me fait bizarre. Du coup donc je me force à manger un truc comme ça là parce que genre même le pitch que j'avais prévu pour ce matin, il me donne pas du tout envie, alors que j'adore ça. Hein. Du coup voilà, je vais manger ça, je vais me reposer encore un peu. Et mon copain finit à 18h et on voulait aller à Jiffy. Parce que je voulais acheter des trucs pour ranger mes amandes et tout ça, enfin bref. Ouf. Vous imaginez même pas comment ça m'énerve, je déteste perdre mon temps, entre guillemets. Hein, à me reposer ou à dormir, enfin voilà, à part la nuit quoi. Mais je déteste genre faire des siestes ou me poser comme ça alors que là je pourrais monter des vidéos, je pourrais filmer des vidéos. Et voilà, genre quand je suis sur mon téléphone ou mon ordi ça me fait encore plus mal à la tête. Donc j'évite, voilà. J'ai posté des petits tweets, j'ai fait une petite story quand même. Mais là je vais quand même aller un petit peu sur mon téléphone pour préparer des posts Instagram pour mon compte de... Ah ça a craqué, compte de sport. Et là je pense que mes migraines c'est dû sûrement au cervical parce que... Là, ça fait quelques jours, j'ai super mal quand j'appuie. Elle a très bien vu, enfin, quand à la consultation, elle a touché mes cervicales, elle a senti que c'était hyper tendu. Donc voilà, ça peut être dû à plein de choses, une mauvaise posture, surtout en cours, quand on est penché pour regarder l'ordi. Les sièges des amphis sont pas du tout adaptés. J'ai les oreilles bouchées, c'est assez chiant aussi. Et sachant que bah, je me suis ordi que ce soit pour les cours ou pour YouTube, donc c'est un peu compliqué. Je m'étais pris aussi mon petit livre parce que j'avais envie de lire. Sauf que bah, lire, c'est pas ce qui repose le plus quand t'as des migraines, quoi. Un peu chiant. Hello, nous sommes samedi. Je vous ai pas beaucoup refilmé hier après-midi. Du coup, on n'est pas du tout allé à Jiffy avec mon copain. Enfin bref, je suis restée au lit. J'étais pas au top de ma forme. Là, ça va un petit peu mieux ce matin. Je sens un peu la migraine. Je la sens là, quoi. Mais légère. Enfin, le matin, souvent, ça s'accentue plutôt au fil de la journée. Donc là, j'en profite que ça aille un peu mieux. Pour du coup... aller à la salle, je me suis habillée donc avec des nouveaux trucs que j'avais eu dans ma commande que vous verrez dans mon vlog, bah vous l'aurez sûrement déjà... mon vlog non, ma vidéo je pense qu'elle va sortir lundi donc je pense que vous l'aurez déjà vu. Du coup c'est genre en bleu marine, donc c'est bleu foncé, donc bleu marine et bleu clair. Du coup je me suis dit tiens, j'ai deux My Protein, j'ai celui-là qui est bleu marine et j'ai le bleu clair, donc je trouvais que ça allait plutôt bien. Voilà. Du coup dans la vidéo je vous avais demandé si vous vouliez voir un genre de lookbook sur mes tenues et j'en ai plusieurs que j'aime bien. Aïe, je viens de me coigner le petit orteil. Il me faut des chaussettes. Par contre du coup ce qui me saoule c'est que je n'ai pas mes baskets propres, je sais pas ce que je mets du coup. J'avais complètement oublié ce petit détail, je m'étais dit je vais mettre mes baskets noires mais elles sont, comment vous dire, légèrement sales.
coup je vais essayer de les brosser un peu avant parce que sinon j'ai que mes baskets roses et c'est pas top. En plus elles ont des très grosses semelles et pour les exercices là je vais faire une séance fesses et vaut mieux être à plat en fait. Bon j'ai brossé ce que je pouvais sauf que le problème c'est que là c'est coloré et puis il y a de la terre qui est vraiment sèche et qui s'enlève pas en fait, qui est sur le tissu. Donc voilà, que passe à la machine d'ailleurs. Mon stage commence lundi, je sais pas encore ce que je vais mettre comme chaussure, je vais peut-être mettre mes Stan Smith. Je vais voir. Bref, du coup là je vais passer un peu le lingette pour nettoyer tout ce qui est pas tissu quoi, vous voyez. Moi généralement j'utilise des lingettes que j'utilise pour les WC. C'est des lingettes nettoie, dégraisse, désinfecte et parfume. Voilà, ça va très bien. Pour les chaussures, je vais utiliser ça pour mes baskets blanches. D'ailleurs faudrait que je les refasse parce que depuis je me suis fait marcher sur les pieds. Voilà, j'ai fini ma séance. Si j'ai les cheveux mouillés tout ça, c'est pas vraiment de la transpi, c'est qu'il le pleut à fond dehors. Et j'ai un gros souci, ma carte n'est pas passée, ça mettait carte refusée. Alors que mon abonnement il est encore pour dans genre au moins 6 mois quoi, même plus je pense. Et du coup je comprends pas pourquoi. Donc en plus je voulais peut-être y aller demain. Sauf que bah aujourd'hui en fait il n'y avait personne à l'accueil comme c'est férié. Et dimanche il n'y a personne à l'accueil non plus. Donc du coup bah je vais devoir attendre d'y aller à un moment où il y a quelqu'un à l'accueil quoi. Parce que sinon je ne peux pas. Donc là ça va, il y a quelqu'un qui a vu que j'étais en train de galérer. Donc elle est venue m'ouvrir de l'intérieur mais c'est un peu la loose. Du coup à la fin j'ai réessayé quand je suis partie. Il y a une fille qui est revenue m'ouvrir alors qu'elle... Enfin je venais de sortir en fait puis j'ai réessayé. Elle croyait que j'étais encore en galère du coup elle est venue m'ouvrir. Donc ça va, les gens sont plutôt sympas. Mais ouais je comprends pas. Ça m'était qu'il y avait 0 points sur ma carte, alors que déjà c'est pas par point, enfin j'ai payé à l'année, j'ai pas payé par séance. Bon d'habitude quand je range, de la voiture, quand je sors de la voiture, je vérifie jamais si mon appareil photo ou vous. Et là je me suis dit j'ai un pressentiment, j'ai l'impression de l'avoir oublié dans la voiture, donc je regarde mon sac, je le vois pas. Et où étiez-vous dans la voiture? C'est plutôt un bon pressentiment du coup. Mais bref. Il est midi 47 déjà. Mon copain finit à 13h30. Donc il faudra que je fasse à manger. Mais pour l'instant, je n'ai pas très faim. Bah, comme je vous l'ai déjà dit, en sortant du sport, c'est rare que j'ai très faim. J'ai plein de rangements à faire aujourd'hui. Il faut que je monte le vlog qui doit être en ligne demain. Il faudrait que je fasse une nouvelle intro pour mes vlogs. Donc normalement, quand vous verrez ce vlog, il y aura une nouvelle intro. Parce que j'avais fait quelques images de... genre de pluie, de feuilles d'automne, pour changer un peu de l'intro d'été quoi, qui n'allait plus, mais que j'avais pas vraiment le temps de modifier avec les partiels, c'était pas vraiment ma priorité, voyez-vous. Faut que je range tout ça. Bon, je vous ai pas vraiment filmé, là il est 20h23. En gros, je me suis posée dans mon lit genre à 16h30, j'ai dormi un petit coup et après impossible de me rendormir, voilà. Du coup, mon copain est avec ses potes. Et je vais peut-être aller au resto et bowling avec eux, mais au final, je vais rester là. Et là, il faut absolument que je me fasse à manger, mais j'ai envie de rien. Ce truc que j'ai envie de manger, c'est des crêpes, donc pas possible. Là, je suis pas en forme pour faire des crêpes, et puis voilà quoi. Du coup, je pense que je vais me faire des petites pâtes vite fait. Parce que là-bas, je m'étais dit, je vais prendre une soupe, sauf que le problème... c'est que vu les médicaments que je prends le soir, vaut mieux manger, enfin pas que du liquide quoi. Du coup je vais faire ça, genre même une salade j'avais pas envie. Donc je pense que je vais me faire des pâtes et je vais manger ça avec du jambon cru qu'on avait acheté pour une raclette de je ne sais quand. Bon il y avait deux paquets donc voilà. Bref du coup ça va pas trop. Je m'étais douchée, lavé les cheveux. Je pensais du coup me maquiller après, filmer des vidéos et au final pas du tout. J'ai pas monté le vlog, j'ai pas fait d'intro, j'ai rien fait. Je suis dans mon lit et là j'ai trop mal à la tête. Et voilà, ça va pas trop. Bref, je suis pas là pour me plaindre et pour dire ça. C'était juste pour qu'il y ait une conclusion à ce vlog. Donc demain midi je vais manger chez mes parents, normalement demain matin ça devrait le faire parce que ce matin genre ça allait à peu près, le midi ça allait à peu près, c'était surtout le soir. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va s'arranger parce que si je suis comme ça en stage ça va être un peu compliqué de tenir. Bref, je vous retiens au courant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.